Justine, dis-moi, toi t'étais en vacances où? Moi j'étais en Russie. J'ai rapporté des matryoshka, des poupées russes. La plus grande protège la plus petite, qui protège la plus petite, qui protège la plus petite, qui protège la plus petite. Océane, dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu sais, la poterie? Depuis quand ça existe, les poteries? Ah là, tu m'aides pas beaucoup, hein. Depuis très longtemps. D'abord, on s'en servait pour faire à manger, pour conserver le vin, des choses comme ça, et puis après, finalement, hein, les potiers, ils y ont mis des décors, des fleurs, des couleurs, et ben maintenant, c'est un véritable art.
enfants. Vous vous rappelez où on était l'année dernière? Bravo! Alors là, j'ai une poterie bulgare qui vient de la Martinique. Ah oui, oui, oui. Simon et Djibouti étaient en vacances. Ils ont trouvé un petit stand. Le monsieur était super sympa. Bulgare de son état. Fabriquait des poteries. Et puis voilà. C'est une poterie typiquement bulgare achetée en Martinique. Alors maintenant, les enfants vont vous interpréter une danse bulgare que les parents connaissent aussi. Donc allez sur scène. Les papas, les mamans, des enfants. Allez hop! Venez les voir dans le groupe adulte.